Définition. L'holocratie est une pratique pour les organisations qui recherchent davantage d'efficacité et d'agilité dans leurs structures de base, telles que les réunions, les processus de décision et l'organisation. L'objectif de cette pratique est de faire émerger l'essence, les capacités d'innovation et le potentiel collectif de l'organisation en la libérant des peurs et des ambitions des égos individuels. Étymologiquement, le terme holocratie provient des mots grecs holos, qui désigne une entité qui est à la fois d'un tout et une partie d'un tout, et du kratos qui signifie pouvoir. La sociocratie est un mode de prise de décision et de gouvernance qui permet à une organisation, quelle qu'elle soit sa taille, de se comporter comme un organisme vivant, de s'auto-organiser. L'objectif premier est de développer la co-responsabilisation des acteurs et de mettre le pouvoir de l'intelligence collective au service du succès d'organisation. Étymologiquement, le mot sociocrate vient du latin societas, société, et du grec kratos, autorité. La gouvernance de socios, c'est-à-dire des personnes liées dans des relations significatives, à travers ces deux définitions, vous comprendrez que le projet de ces deux systèmes veut créer un organisme qui se régule tel le corps humain. Nous allons maintenant nous intéresser à leur mode de fonctionnement.